Alors, à propos de responsabilité, le président de la République a dit une phrase très forte. Il a dit « Regardez notre époque, regardez-la en face, vous n'avez pas le choix ». Alors là, j'ai une question très grave à vous poser. Je m'excuse auprès des téléspectateurs parce que c'est un sujet qu'on a déjà évoqué la semaine dernière, mais c'est le hasard du calendrier. Il y a eu, il y a 15 jours, un article dans Le Monde à propos des exilés, les migrants. Et Le Monde révélait que l'Italie, qui est donc située en Europe, payait des passeurs libyens pour récupérer les jeunes exilés, les moins jeunes, mais enfin les exilés, les migrants en mer, et les rapatrier sur la terre libyenne, sur les côtes libyennes, pour les remettre en prison, où là, ils sont rançonnés, tabassés à longueur de journée. Alors ma question est la suivante, est-ce que la Libye est la frontière naturelle sud de l'Europe, et est-ce que vous pouvez tolérer longtemps que votre homologue italien, M. Marco Minniti, puisse continuer ainsi à dealer avec la misère humaine, et ainsi réaliser le plus grand trafic d'exilés au monde et de l'époque, puisque je reprends les mesures de M. Macron, et est-ce qu'un jour, on n'aura pas des comptes à rendre devant l'humanité tout entière pour cette politique finalement abjecte? Et je voudrais savoir quel est à votre avis sur ce sujet très grave. Qu'est-ce que nous essayons de faire et qu'est-ce qu'essaye de faire le président Macron lorsqu'il a, par exemple, organisé la réunion de Saint-Cloud entre le président reconnu par les instances internationales et le général Haftar? C'est rétablir l'état de droit en Libye. État de droit que nous avons... Peut-être pour 25 ans, oui. Comment? Il y en a peut-être pour 25 ans. Non, je ne crois pas, parce que les choses sont en train de progresser. Et vous voyez, la situation que vous décrivez, c'est les camps de Sabratha. Et les camps de Sabratha, ils étaient effectivement tenus par les passeurs, des gens qui amenaient depuis le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, un certain nombre de personnes. N'en parlez pas au passé, ils existent toujours. On allait démarcher... Et on les amenait jusque dans ces camps. Pourquoi vous parlez au passé ? Pourquoi vous parlez au passé ? Je vais vous expliquer, laissez-moi terminer. Ce que nous avons dit, c'est qu'avec le HCR et le Haut Commissariat aux réfugiés, nous allons donc envoyer des missions pour regarder quels sont les gens qui peuvent effectivement avoir le droit à l'asile, qui sont des réfugiés. Et les autres, nous essaierons d'organiser des retours volontaires dans leur pays. Et aujourd'hui, nous essayons de porter le développement économique de ces pays. Monsieur le ministre, vous ne répondez pas à ma question. Allons essayer de comment est-ce faire. Que vous acceptez que l'Italie puisse négocier avec la Libye que et vous payer dites, des passeurs? C'est vous qui le dites. Bon, c'est c'est effectivement un article du Monde. Mais tout ce qu'il y a dans le monde, écoutez, même s'ils ont été sympathiques monsieur avec le ministre, aujourd'hui, n'est pas forcément les exilés, vérité. Le nombre d'exilés a baissé de 20% d'une année sur l'autre à la même époque. Il y a quand même un petit tour de passe-passe étrange. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait deux choses. Un, vous aviez un certain nombre d'ONG internationales qui, avec sans doute bonne foi, allaient très près des côtes. Ce qui fait qu'un certain nombre de passeurs n'avaient même plus besoin d'avoir des embarcations extraordinaires. Ils avaient simplement des zodiacs et ils emmenaient jusqu'au bateau des ONG. Les Italiens, alors je vous concède que c'est une mesure assez extraordinaire, ont demandé, un, aux ONG un code de bonne conduite, deux, ont envoyé là-bas pour lutter contre les passeurs des bateaux de guerre qui sont effectivement à l'intérieur des eaux libyennes et donc on ne peut plus passer. C'est pour cela qu'ils ont réduit effectivement les chiffres des gens qui arrivaient de 50% au mois de juillet et de 70% au mois d'août. Hier, nous étions ensemble puisque nous avions le sommet franco-italien. Et nous avons dit, nous allons porter deux choses, même pas simplement... Vous êtes vraiment gonflé quand même de mettre sur le dos des ONG une sorte de magouille entre l'Italie... Je vous donne la réalité. Et les mafias libyennes. Je vous dis comment les choses se sont passées. C'est votre opinion. Non, c'est pas une opinion. Laissez-moi quand même avoir la mienne. Et penser que je suis de bonne foi et que nous sommes de bonne foi. Qu'est-ce que nous disons? Elle est sur le terrain. Nous disons aujourd'hui. Vous voyez, je me suis entretenu, par exemple, avec le ministre de l'Intérieur du Niger, puisque, comme vous savez, c'est un lieu de passage. Et je vais d'ailleurs aller au mois de novembre à Agadez pour voir ce lieu, qui est le lieu par où passent aujourd'hui tous les circuits de migrants économiques amenés par des passeurs. Pourquoi économique? Les Érythréens sont tabassés à longueur de journée, doivent faire leur service militaire jusqu'à 70 ans et les talibans massacrent les Afghans. Où est le problème économique? Je ne vous parle ni des Érythréens, ni des Afghans.
Et en plus, comme vous le savez, aujourd'hui, pour un certain nombre de ceux qui sont là, sont plutôt des Pachtounes, et donc pas des minorités qui aujourd'hui sont opprimées en Afghanistan. Je vous dis les choses telles qu'elles sont. Nous allons essayer d'avoir un droit d'asile qui soit commun pour tous les pays européens. Et pour faire en sorte que ceux, effectivement, qui sont menacés dans leur pays par la guerre, par des persécutions politiques, puissent être accueillis en Europe, mais que, évidemment, ceux qui sont amenés par des réseaux de passeurs ne puissent plus venir en Europe. Donc nous essayons d'avoir, sur ce sujet, comme tous les autres, une politique équilibrée.